Et re les amis, nous revoilà. Donc, on est dans l'épisode 3. Et en fait, on allait chercher un petit peu d'or. Oh non, j'ai été déco, super. Donc, on allait chercher un petit peu d'or, en fait, pour nous faire notre petite pomme en or. Ce serait très bien ça. Et ensuite, on part à la chasse aux joueurs. Ça va être cool. Bon, on va tout faire, on va être en mission. En mode Metal Gear Solid et tout, genre observation, analyse et attaque. Oh, y a pas d'or ici. C'est pas cool ça. Oh, une petite grotte. Ça, c'est le bienvenu. Voilà. On torche un petit peu, histoire de pas se faire péter là. Oh, y a pas d'or. Y a pas d'or, y a pas d'or. Ça, c'est pas cool. Alors, y a une torche ici, je sais pas. Y a de l'or. Oh, je suis refait, vas-y, je prends ça et je me casse. Là, je suis refait là. J'aurai ma petite pomme en or, mon petit plastron en diams. Voilà, je laisse rien hein, pour personne, fuck. Tout est à moi. Voilà. Allez, maintenant, vous savez quoi? On va remonter. Donc, faut pas laisser la chance aux mobs de spawner en fait, sinon on est mal. Donc, hop. Donc voilà, moi je prends tout, hein, je fais le crevard. Je laisse rien. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'enfoncer dans le mur. On va s'enfoncer dans le mur, on va prendre ça. Hop, hop, voilà, ni vu ni connu. On va creuser vers le haut. Et on va se barrer. On va se barrer par le haut. Au calme. Donc je prends une certaine marge. Comme ça, s'il y a de la lave qui coule, j'ai le temps de me dégager en fait. Hop. Donc je rebouche et je remonte. Technique, vous voyez. Faut toujours avoir de la technique. C'est très important. Hop, hop, hop. Alors, juste, je suis couche combien? Oh, il y a une grotte là. Alors attendez. Je suis à la couche 35. Ok, je suis bientôt en haut. Super. Alors, on va casser ça. On va essayer de pas se faire exploser par un creeper ou quoi que ce soit. Hop. Voilà. Oh, purée, il y a du grave. Du grave, du grave, du grave. Voilà. Ok. Petite échelle. Alors là, c'est un squelette, je suis mal. Alors, on analyse. Hop, hop, hop. Toujours torcher, c'est très important. Gravier, faut pas rester en dessous. Là, on a juste à creuser comme ça. Oula. Voilà, hop. On va recreuser vers le haut. J'espère qu'il n'y a personne. Hop. S'il y a quelqu'un qui me suit, je suis mal. Ah, je suis très parano en fait. J'ai toujours peur que quelqu'un soit en train de me suivre. Alors, ce qu'on va faire. Voilà. Hop. Voilà. Je crois que je suis bientôt à la surface. Honnêtement, je suis très content de cette partie parce que d'habitude je trouve jamais de diam, c'est tout. J'ai beau chercher, chercher, chercher. Je suis très malchanceux. Je suis assez content. J'en ai trouvé 13 en tout et ça c'est cool. Donc on va reboucher juste pour pas laisser de traces parce qu'il faut être pro. On vérifie bien qu'il n'y ait personne à côté. Voilà. Alors, quelle couleur je suis? Ça va. Je suis un peu camouflé. On va se faire une petite base dans un arbre. Faudrait que je bazarde tout ça. Attendez, je vais juste trouver un petit coin.
bazarder tout ce que je veux pas. On va pas tout balancer quand même. Le gravier, j'aurais peut-être dû le garder. Attendez, ouais. Le gravier, je garde pour fabriquer un briquet de secours au cas où. Voilà. Hop. Donc ouais, vous savez quoi, je vais me fabriquer une petite hache. Attendez. Je vais. En fait. Voilà. En fait, je diminue mon niveau de visibilité. Ça, c'est cool. Hop, et on va faire. Hop. Hop. Voilà. Tac, tac. On récupère ça. Ça peut toujours être utile. Après, technique. Ce que vous faites, vous prenez le bois que vous venez de casser et vous remontez dessus. Vous cassez au-dessus et vous replacez en dessous. Voilà. Ensuite, maintenant. Oh purée, j'ai fait de la merde. Voilà. Vous pouvez vous faire une petite base tranquille. Donc, alors. Voilà, on peut casser ça. Ça, on peut casser. Donc, ouais, on a une petite croix directionnelle. Bon, c'est pas grave. On va juste éviter de se mettre là-bas. Alors. Ça, on va mettre ça là. Et je vais me crafter un plastron en diams. Voilà, ce sera toujours utile. Voilà, on va mettre ça ici. Ok, l'arbre qui commence à disparaître, super. Ça, on va mettre ça là. On va faire fondre ces blocs là. Et on va rester. Oh, ça c'est pas bon ça. On va rester vigilant. Alors, y a personne. Ouais, c'est assez dangereux. Je vais rester en bas. Ça se voit pas de loin en fait quand on casse les arbres, etc. Ok, allez, 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 on se grouille. Ah là là. Donc vous voyez, en fait c'est ça ma technique, je me mets au haut d'un arbre et je regarde à travers les feuilles en fait. En fait on voit quand même bien. S'il y a quelqu'un qui se déplace, on le voit se déplacer. Donc moi je reste comme ça. Tant qu'on me repère pas, c'est cool. Donc vous voyez là, je m'expose un petit peu. On risque de me voir, mais à ce temps-ci je pense qu'ils sont tous sous terre. Comme des taupes. Si quelqu'un m'a vu, je suis mal. Voilà. Allez. Donc ouais, j'ai ma pomme. Donc là, j'ai plus besoin de ça non plus, torche. Voilà. Et je vais me fabriquer un. Ah, j'ai pas de. Il me faut une pelle. Je vais me fabriquer une pelle. Une petite pelle, voilà, hop. Ça dégage. On va prendre le gravier. On va prendre la pelle. Et ce qu'on va faire. En fait, on va miner le gravier jusqu'à avoir du flint. Toujours pas. Ok, vous savez quoi? On fera ça par terre dans une petite cache pour pas se faire repérer parce que là je suis sur un arbre. C'est un petit peu dur. Surtout que j'en fais qu'un à la fois, donc voilà. Allez, 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 allez. Voilà. Donc là, vous avez des vidéos de bonne qualité, donc c'est du 720p, 1080p en fait. C'est l'une des deux, je sais plus. Et ça se coupe en fait, ouais, ça se coupe à cause de la qualité, parce que à partir de 3 Go, ça s'arrête. Sinon, ça fait des trop grosses vidéos, et au push capture, j'y replus après, je crois. Enfin, c'est une sécurité, en fait. Donc bon, de toute façon, si ça coupe, hein, c'est pas grave, ça fait une petite ellipse de quelques secondes. C'est rien du tout, et je m'en aperçois rapidement, donc ça va. Voilà, 8.
va se faire notre petite pomme dorée. Voilà. Et maintenant, la pomme dorée, elle remplace. Vous voyez, faut toujours être tactique. Donc, hop. Oh non. Eh. Franchement, ce jeu, quoi. Faut toujours être tactique. Donc, on va déplacer de telle sorte à ce que soit dans une ordre, un ordre de priorité, en fait. Vous voyez? Épée, pomme, bouffe. Épée, pomme, bouffe. C'est le plus important. Non, mais c'est pas possible. C'est le plus important. Épée, pomme, bouffe. Donc vous avez l'épée. Quelqu'un arrive, hop, vous bouffez la pomme. S'il y a personne qui arrive, vous bouffez votre steak, tranquille. Et si vous voyez quelqu'un, vous pouvez... Non, mais c'est pas possible. Bon, ok. Le jeu a décidé de crasher. C'est super. Donc on va relancer, hein, pourquoi pas. Donc ouais, je vous disais... ouais, si vous bouffez, bah, en fait, tranquille, parce que quand vous bouffez, ben, vous avez la pomme juste à gauche, et du coup, si vous voyez quelqu'un, vous bouffez la pomme, et vous switchez sur votre épée encore à gauche. Donc c'est un ordre tactique, en fait. Voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui va au nether, nécessairement. J'aime pas trop être dans le nether, c'est très dangereux, et c'est... Au final, on en ressort souvent vivant, mais amoindri, avec des cœurs en moins, etc. Donc c'est la merde. Donc attendez, la musique chiante là. Voilà, disque dur. Non, ah voilà. Ouh. Donc là, on va essayer de trouver quelqu'un. N'importe qui, peu importe. Et on va le défoncer. On va au moins essayer de lui enlever plein de cœurs. Donc moi, je vous disais, ouais, je suis pas quelqu'un qui va... On va attendre que la zone charge. Parce que là, c'est la merde. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très nether, parce que c'est la merde, les ghasts, ça vous tire dessus. Enfin, tous les trucs comme ça, c'est vraiment pénible à esquiver. Voilà. On va prendre le petit four et on va se barrer. Allez, let's go. Alors, par où on va? Le beacon? Attendez. Où est le beacon? Par contre, ça, c'est pas tactique. Alors, le beacon est par là-bas. Donc là, ça va être très très dangereux. On va passer dans ce mode de vue-là. Comme ça, si quelqu'un arrive derrière nous... C'était quoi ce bruit? Ah, un lapin de merde. Tapette. Donc, ouais. Je vais mettre à la troisième personne, comme ça, si quelqu'un me voit... Enfin, si quelqu'un arrive derrière moi, ben, je le verrai au moins... Enfin, un millième de seconde avant, mais je le verrai, quoi. Bon, c'est déjà ça de prix. Donc, même si c'est pas... Super, super... Donc, la carte est en train de charger. Ça, c'est... Aïe ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un bug de ouf, là. Ok. Je me suis fait sursauter tout seul, mais en fait, c'est comme si mon personnage s'était auto-rentré dedans. C'était trop bizarre. Il y a tout le monde qui quitte la partie, c'est infernal. C'était comme si mon personnage s'était auto-téléporté dans lui-même, en fait. Je sais pas comment vous décrire ça, mais c'était bizarre. Alors, pas ces arbres-là. Alors... Je vais demander juste à Tico 2 secondes combien de temps il reste. J'espère que personne va venir me buter pendant ce temps-là. Voilà, en général, un simple trou suffit. Comme ça, on peut se planquer. Alors, combien de temps reste-t-il? Voilà. Donc ça c'est fait. Ouais. On va aller chercher un petit peu. Là je suis autour du spawn. Donc là vous voyez, il y a un poulet. Ça veut forcément dire que quelqu'un est par là. C'est soit moi, soit un autre joueur. Si on trouve d'autres mobs en se dirigeant par là-bas, c'est que c'est un autre joueur. Donc il doit être en dessous de la map. Donc on va essayer d'observer. Alors, personne ne m'a suivi. Normalement, ça va. Donc là, ça va être risqué parce qu'on va rentrer dans une forêt. Et dans une forêt, on peut voir
les autres et souvent ne se faire voir aussi. Donc vous voyez là il y a des mobs, c'est assez étrange. C'est assez étrange, ça veut dire que quelqu'un qui se cache sous la surface. On va essayer de trouver des traces d'arbres coupés ou des choses comme ça. Oula! Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Oh, c'est qui ça? Allez, viens mon coco. Oh la tapette. Oh la tapette, c'est qui? C'est qui ça? Oh non, mais c'est pas vrai. Eh mais le gars, il est à fond dans l'eau. Tapette! Vas-y, je vais le tuer. Non, 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 faut pas que je crève, faut pas que je crève. Allez, meurs, meurs, meurs. Oh, la tapette, il court. Ça, ça veut dire qu'il va bientôt mourir, ça. Ah, l'enfoiré. Yes! Je l'ai buté. C'est Pigoui. Oh, Pigoui. Vieille merde. Alors, qu'est-ce qu'il a comme stuff? Il a de l'XP. Oh, il a un truc en diams. On va remonter. Ouh, il me reste un cœur. Il m'a amoché l'enflure. Hein. Oh là là. Il me reste un cœur. C'est abusé. Voilà, on va jeter ça. On va jeter ça. On va jeter ça. 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 Voilà. Et on va redescendre chercher tout ça. Alors, hey, franchement, il m'a foutu les boules. Donc, voilà. Oh, il y a du diams, je vais remonter. Vite, 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 vite. Non. Ah, je suis mort. Bon, bah, les gars, c'était cool de jouer avec vous. Et bravo. À bientôt.